Shulk est le héros du premier jeu Xenoblade Chronicles. Il apparaît dans Smash pour la première fois en personnage jouable sur Smash 4, sur Wii U et 3DS. Tout commence en mai 2014, lorsqu'Adam Owen, voix anglaise de Shulk, poste sur Twitter qu'il a enregistré des voix pour un jeu dont il ne peut pas parler. Peu de temps après, des vidéos seront publiées sur YouTube montrant Shulk dans le jeu. C'est un employé de l'ESRB, une société chargée d'analyser les jeux à venir et de mettre les âges d'accessibilité, qui aurait leaké cette vidéo. Le 29 août 2014, il sera définitivement confirmé comme jouable dans le Smash à venir. Shulk peut utiliser les arts Monado avec son épée. C'est une technique qui permet de booster certaines de ses stats tout en en baissant d'autres. Jump lui donne une plus grande mobilité aérienne, mais il prend plus de dégâts. Speed le rend plus rapide, mais il fait moins de dégâts. Shield rend Shulk plus lourd, mais il prend moins de dégâts et se fait moins éjecter. Buster lui permet de faire plus de dégâts, mais il en reçoit plus. Smash l'oblige à faire moins de dégâts, mais il éjecte plus loin ses adversaires. Il fallait bien qu'on en parle, l'un des skins de Shulk est sa version sans armure de Xenoblade Chronicles. C'est donc lui avec juste un boxeur. Dans son trailer d'annonce, Duodecon se cache même les yeux en le voyant.